Wow. Il faut profiter de cette occasion. On le lâche pas. Maintenant, on y va à fond. On me le dira pas deux fois. Je vais m'en donner à cœur joie. Mouais. Pas très fan de système de combat. Je dis pas qu'il est mauvais, c'est juste que... Dis-moi, tu m'as l'air jeune. Je suis première classe. Hein? En plus de leur rang, les soldats ont aussi un grade. Quand on dit que t'es jeune, c'est de ton âge qu'on parle. Normalement. Ah, mais j'oubliais. Vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein? D'accord, d'accord. Première classe et un andage mental. J'essaierai de m'en souvenir. Ça me plaît, ce barrette. Il commence à me plaire. On arrive au cœur du réacteur. C'est là-bas qu'il faut placer la bombe. On descend par ici. T'as de choc, ça me rappelle FF. On approche. On approche. Ah. Ça sent la Mako à plein nez. Un générateur, Dead by Daylight. Des formations professionnelles. Oh, j'ai la chair de poule. La chair de poule. Qu'est-ce qu'il y a, t'as les chocottes ? T'as les chocobos ? J'ai des frissons d'être tout prêt de réaliser notre rêve ! Le cœur du réacteur est juste en bas. Moi, je vais attendre sagement ici. Je vais pas vous embêter. Tu nous embêtes pas. Non, pas par là. Descends par l'échelle. Ok, ouais, ça va. Oh là là là, ça peut même plus explorer. Pas une descente rapide ? Ah si. Éclat ou débrûlé au troisième degré. Ah, et petit, C'est du bas niveau. J'attends de voir ce que t'as de si spécial. Bah, je suis le héros du jeu. Voilà. Bon. Voilà qui est fait. Tu devrais ajouter encore une pointe d'orgueil. Réacteur aurait vite fait d'aspirer. Ça, ça serait le comble. Oula, il est sauté. Je savais pas qu'il pouvait sauter. Ça sent le boss, c'est peut-être même la fin de la démo, on sait jamais. On y est presque. On y est presque. Même... Non, c'est pas Genova. Non, mais c'était bien. L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. Si ça peut faire ton bonheur. Tifa a beau te connaître, moi je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Je suis un mercegier. Alors ferme-la et suis les ordres. Il
Oui, ça va. Oh, carrément. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un frisson. Ah, c'est bon. J'ai eu un frisson. Non, c'est rien. Tu mets combien de temps? C'est toi qui décides. On va mettre 30. Ha! T'as la trouille ou quoi? Oh! T'as osé nous piéger! Là, en haut! Hein? C'est quoi ce truc? Hé! Hey, comment on combat ce machin? Il a un blindage renforcé, mais il est vulnérable à la foudre. Utilise la magie! Ah, quand faut y aller. Oh non. Oula, t'es dans la merde là, non? Tiens, j'ai l'impression que ça lui fait que dalle. Je t'ai dit d'utiliser la magie. Je me demandais si c'était vrai. Te pose pas de questions. Fais-le. C'est bon, je peux. Mais je peux pas. Je peux pas utiliser la magie. Je sais pas pourquoi. Je suis prêt à tout pour la planète. Bah utilise ta magie, putain, enfin. Ouais, t'as raison. Ça a l'air de bien marcher. Continue comme ça. Monsieur le soldat a un petit problème? Tu veux un coup de main, c'est ça? Eh ben alors, t'es sûr que t'as pas quelque chose à me dire, là? Ah ok, j'avais pas vu qu'il y avait des trucs en bas, ok. Ok. C'est pour ça que je pouvais pas utiliser la magie, ça n'a rien à voir avec les points de magie. C'est quoi ce truc-là? Une barrière? Je n'ai jamais vu ce système de défense. Je croyais que t'étais un expert. Et toi? Je croyais que t'avais pas besoin de moi. Je vais lui montrer ce que je sais faire. T'approche pas trop si tu tiens à ta peau. Merde, pourquoi c'est toujours moi que tu vises? Tu crois vraiment qu'on arrivera à le buter en continuant comme ça? Arrête de te plaindre et tire-lui dessus. Tu dis ça mais tu fous pas grand chose, toi. Oui, bon, après. Quoi? Ça passe pas? Bordel, c'est trop résistant ce truc-là! Si on pouvait le détruire facilement, ce serait un peu décevant. T'es de quel côté, toi? On se demande! J'ai des objets. Ah, je les déterre. Et voilà le travail! Pas de temps à perdre, finissons-en rapidement! Et j'esquive ta mère. Ah, ok. Je vais pas me laisser vaincre par une saleté de scorpion. Putain, ce qui est pas évident. Hein. Attends, je vais... Bordel. Faut que je me soigne là. Non, soigne-toi, Barrette. J'ai encore la pêche, il faut seulement un peu de soin.
Ouais, bon, des sacs à PV, voilà quoi. Attention à sa queue! Il s'apprête à tirer un laser! Hein? Et on fait quoi maintenant? On évite de se le prendre! On se cache derrière les débris! Putain! Je t'emmerde. C'est l'occasion de contre-attaquer! On y va! Non mais attends, tu crois que je vais me le faire tout seul ou quoi? Je vais mourir. Hein. Désolé, mais c'est pas fun. C'est un putain de sac à PV. C'est tout sauf amusant. Il va recommencer. Plante-toi derrière les débris. On n'a pas que ça à foutre. À notre tour. Je vais truffer de plomb. Mais j'appuie pour esquiver et il bouge pas. Mais putain. Quand on fait un BTM up, faut que ce soit rapide et ça l'est pas. Soigne pas tout de suite, ça va pas le faire. Encore ce foutu laser? Et il s'en lassera pas, c'est qu'un robot. Ouais, ben moi il me saoule, j'ai pas la patience. T'entends, gros tard? Maintenant, c'est le moment ou jamais de te défoncer. Thunder. Tiens, c'est qu'une égratignure. J'en ai vu d'autres. Oh putain. Ah, non mais je rêve. Ah, il en est vraiment fier de son laser. Il ne fait que suivre son algorithme de combat. J'en aurais presque pitié pour lui. À notre tour, je vais le truffer de plomb. Cloud, j'ai besoin de l'éther. Alors, au moins, il y a des dégâts sur lui, mine de rien. Hey, il se passe un truc bizarre là. Une fonction d'auto-réparation. Vite! Il faut qu'on l'achève avant qu'il récupère. Ça marche! Il va voir ce qu'il va voir! Il faut frapper fort quand ça fait le plus mal. Guettons le bon moment. Maintenant, profitons de l'occasion. Je vais le réduire en morceaux! Il va me falloir des soins. Ça fait deux pattes en moins. Il est déstabilisé. Faut en profiter. Il faut que je me soigne dès que possible. Bon bah voilà. Bof, 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 bof.
dans 30 minutes. Ouais, mais si j'avais prévu que le combat contre le scorpion était avant que le limiteur s'enclenche, j'aurais mis 20. Ah, prends-en de la graine. Ce scorpion devrait être nommé employé du mois. Vite, sortons d'ici. Wesh nous assure une voie de secours. On fonce vers la sortie. Non, je vais pas encore faire un jugement sur le gameplay, je le maîtrise pas du tout, mais enfin, comme je dis, je joue à Kingdom Hearts le premier et je m'abuse plus sur celui-là. Mais bon, faut prendre le coup du gameplay. Je vais pas le mettre au fer directement. On verra bien le jeu final, mais. It's the final Kingdom. Il a des qualités hein, déjà graphiquement, c'est beau. Pour l'instant, le stream tient, c'est bien. PlayStation 4 a-t-il Death Stranding disait. Ok, c'était vers la gauche. Je vais essayer d'aller vers la droite, ça voulait pas donc. Est-ce que ça va? Pas vraiment! Ma jambe est restée coincée! J'ai eu chaud! Hé! Hey, on se retrouve là-haut! Fais tout pour protéger Jesse! Et James! La Team Rocket, plus rapide que la lumière. C'est par ici. En passant par là, on devrait pouvoir rejoindre Barrett. La sortie est par là. Dépêche-toi. On a le temps, ça pourrait être bien. Cloud, qu'est-ce que tu fais? Il faut se dépêcher. Ici. Dépêchons, dépêchons. Tais-toi et grimpe. Tu gaspilles ton souffle. Pas faux. Mais non, si je parle pas, ça me stresse. Fais comme tu veux. Yahoo! Salut Barrett! Et maintenant! Tu pars devant, Jesse! Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes! Et vous? T'as aucun souci à te faire! J'ai un super soldat avec moi! Super Saiyajin. Ancien super soldat. Et voilà! Faut les arrêter! N'aie pas nous emmerder! Ça va bientôt péter! T'inquiète pas, ça prendra 5 secondes. Dépêche-toi, faut vite rejoindre les autres. Sortons d'ici avant qu'il soit trop tard. Et après, tu te plaignais quand j'ai mis 30 minutes. Bordel, il nous manquait plus que ça maintenant. Il suffit de régler ça vite fait. Pourquoi je peux pas lancer un... Ah oui, il a plus de... J'avais pour ordre. Vous voyez, c'est des sacs à PV quoi, c'est ridicule.
Kaboom. Kaboom. Oh, une médaille mog. Coupo. Coupo, po. Coupo, po. Tu me gênes, Barrette. Bien, capitaine Ackley. Fais attention. J'avais remarqué. Non, le gameplay comme ça contre les petits ennemis est fun. Contre les boss. Je dis, ils ont un milliard de PV. Oh, il m'a fait peur celui-là. Il faut pas grand-chose pour te surprendre. Il est looké et je le vois jamais. Essaie de pas me gêner. Eh oh, si tu me cherches, tu vas me trouver, crois-moi. Attention. Pourquoi il m'a... Ah ouais, ok. Il est cool. Une petite potion. Putain, sérieusement ? Avec Valis, il avait pu se casser, hein. Bien. Aidez des guerres. Dépêche-toi. Hein? Ça. Voilà, c'est ouvert. Abracadabra. Hop, c'est bon. Il faut se dépêcher. Ça va aller? J'ai fait exprès de tomber pour voir si tu t'arrêterais pour moi.
Tes criants de vérité. C'est là qu'il tombe en arrière. Yeah. C'est la fin. Tu veux une fleur, dis, tu veux une fleur, un 5 guilds, c'est la fleur. Si le son est très faible chez vous, le son est encore plus faible chez moi. Bon bah voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le jeu me... Attendez, parce que je vais prendre le micro près de moi, je vais voir ce que ça donne. Ouais. On est bien. Bah écoutez... Je suis mitigé. Je m'attendais, comme je dis, je suis pas le premier fan de FF7, donc je ne m'attendais pas à grand chose de ce remake. Je l'attendais sans plus. La démo ne m'a pas donné plus envie que ça de faire le jeu à la sortie, franchement. Le gameplay a l'air bon. Par contre, les boss sont des sacs à PV, mais à nouveau, faut prendre le truc du gameplay et peut-être que finalement, quand on aura bien le gameplay en main, ce sera très agréable. Hein. Je vais pas acheter la bière au jeu, là, ça ne fait qu'une heure. Mais... Ouais. Pour moi, c'est très mitigé, cette démo. Très très mitigé, je me suis pas forcément ennuyé. Je me suis à aucun moment dit c'est un truc de fou, à part graphiquement. Et à nouveau, je suis sur la PS4 de base, pas sur la PS4 Pro, sur une télé 4K. Ouf. On verra. Je le prendrai, ça c'est une certitude, mais déjà ce principe de d'épisodique, ça me saoule, sachant qu'en plus je n'ai pas le PS Plus. Donc ma sauvegarde n'est pas sur le cloud. Salut cloud. C'est pas fait exprès. Donc je ne sais même pas comment ça ira ma sauvegarde pour la partie 2 qui sera sûrement sur PS5. Voilà. Donc ouais. De toute façon, la démo est gratuite, vous pouvez faire vous-même votre opinion. Mais pour moi, c'est un mouais à voir. Donc voilà, c'était Rico Chris. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à un petit partage, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!